10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Vous écoutez Taxi FM, musique, sport, information. Toutes vos passions sont forcément sur Taxi FM. Madame, Monsieur, bonjour, bonjour à tous. Nous sommes très heureux de vous retrouver ce mercredi matin sur la radio, le meilleur taxi du matin. Taxi Media Show, c'est pour vous permettre de mieux comprendre les sujets traités par les journaux. 5 rédactions à visiter ce matin. Le journal de la bonne humeur, le journal SICA, avec Gérard Wissant qui sera au téléphone avec nous d'un instant à l'autre. L'hebdomadaire Fraternité avec Joël Ega, Arakiri avec Olivier Adja, Togo, Media24.com avec Aubin Coutelé et l'hebdomadaire La Manchette avec Sylvestre Abeni. Nous retrouverons un peu plus tard le professeur Cyr. Et puis si on a un peu de temps, on vous retrouvera vous aussi pour la libre antenne ce mercredi. Taxi Media Show, le 7h, Irrigator. Taxi Media Show, Irrigator. Et nous commençons avec le quotidien Togo Matin, le confrère qui revient sur les manifestations de cette semaine de la coalition. Marche des 6, 7 et 9 juin, la coalition des 14 défie le gouvernement et menace, écrit notre confrère, vous lirez l'article à la page 3. Enseignement supérieur, on va dire digitalisation du CAMES, les propositions de Rekia Madougou. C'est ce que le confrère a publié ce matin. Vous lirez l'article donc dans le journal et puis l'éditorial du journal. Le code foncier voté, vive le code, s'exclame notre confrère. À la veille de la reprise du dialogue, le CACIT se demande à quoi bon encore de manifester. Eh bien, cette interrogation à lire dans le journal là, Togo Matin. L'autre quotidien aussi dans les kiosques ce jour, c'est Liberté. Liberté qui parle de la coalition qui maintient ses manifestations. Vous lirez l'article dans le journal à la page 4. Et puis le PNP qui dément les supposées divisions au sein de la coalition de 14 partis. Ouro Dikpa Tchatikbi qui dit, je cite, « Nous sommes ensemble et nous irons jusqu'au bout ». La réaction de Ouro Dikpa Tchatikbi à lire à la page 3 du quotidien Liberté. Puis la question de l'alternance, aussi évoquée par notre confrère, refus de briguer un troisième mandat. Mamadou Issifou s'engage et conseille tacitement Faure Gnassingbé. Vous lirez l'article dans le journal Le Quotidien Liberté. Et nous avons au téléphone notre première rédaction, c'est l'hebdomadaire La Manchette avec Sylvestre Béni. Sylvestre, bonjour. Oui, bonjour, grâce à toi d'État et bonjour à tous ceux qui sont à bord du taxi ce matin. Très bien, merci de nous avoir rejoints et vous parlez de la coalition qui maintient ses itinéraires, hein, les insuffisances du ministre Payado Aboukwesi mises à nu, c'est ce que vous relevez ce matin. Outre ce sujet, vous évoquez le cas de Alassane Ouattara, Jean-Claude Brou et Faure Gnassingbé. En réalité, c'est le spectre de notre complot contre le Togo que vous évoquez, hein. Oui, Eric, lorsque je dis hein, que qu'ils se ressemblent, je sais que tu vas me dire de manière instinctive ou peut-être spontanée et ce qui se ressemble, voilà, hein, qui se ressemble, ça semble, voilà, c'est ce que nous disons souvent, et que les oiseaux de même plumage, hein, à moins que Dieu ne décide autrement, hein, ne peuvent que se ressembler et s'assembler. Donc cette maxime également, nous le voyons très souvent en politique, hein, que ce soit en Côte d'Ivoire ou au Togo, et il y a quelques jours, hein, tout le monde entier a été scandalisé par la sortie médiatique catastrophique donc du président Alassane Ouattara, qui hein, déjà en 2015 disait hein, qu'il ne fera qu'un seul mandat, hein, même s'il doit faire un second mandat, il ne pourra pas terminer ce mandat qu'il va laisser là à quelqu'un d'autre. C'est le même hein, qui il y a quelques jours hein, a ravalé toute sa salive et puis qui dit il va faire un troisième mandat, et pourquoi pas un quatrième. Et là, sur le au Togo, je crois que le débat également se pose sur le quatrième mandat de Fondé. Mais ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est nous allons donc revenir en fait sur le poste de présidence de la commission de la CEDEAO. Vous savez, c'est un poste très stratégique, et nous avons la crise gambienne a été sortie par l'ancien président donc, de cette commission, du Béninois Marcel de Souza. Aujourd'hui, il y a encore un autre homme qui est à la tête de cette commission, c'est Jean-Claude Brou, qui est un homme de main, un homme de confiance donc, de M. Alassane Ouattara. Il était avec lui depuis les années 90, il était son conseiller économique.
à l'époque où Alassane Ouattara était premier ministre. Et là, lorsqu'il a pris le fauteuil présidentiel, il a encore nommé un ministre de l'Industrie. Et après, il lui a joint le poste des mines, donc ministre industriel des mines. Donc c'est le même là, c'est le même Claude Brou que Alassane Ouattara a tout fait, parce qu'il a œuvré avec son Yacine à ce que le Béninois et Marcel Desoussa soient débarrassés de la question. Lui a reproché un certain nombre de choses qui concernent sa gestion presque solitaire de la crise gabienne, parce qu'il y a certains chefs d'État qui lui reprochent le fait donc de la manière dont Yaya Diané a été chassé. C'est une forme d'humiliation selon ce président-là, et puis il en fait partie. La preuve, Marcel Desoussa, bien qu'étant un beau-frère de Paul, le beau-frère de Paul Yacine, a adopté une position ambiguë au plus fort hein, donc de la crise sur le temps. Tous ces présidents-là se sont ligués contre le Béninois Marcel Desoussa, qu'ils ont tout fait donc pour débattre à la tête de la commission. Maintenant, ils ont mis un homme de main, donc, et à la personne donc, de Jacob Bourg à la tête de sa commission. Donc, vous conviendrez avec moi que vous ne pouvez jamais cracher dans la marmite qui vous sert à faire la popote, non? Jacob Bourg ne peut jamais aller à l'encontre de ses mentors, ceux qui l'ont porté au final, c'est à la tête de sa commission. Et je vous dis que le président, le poste de président de la commission de la FIDIA est un poste stratégique, un poste très diplomatique. Donc, ceux qui sautent tout de suite au plafond en disant que donc, la CDA va trancher en faveur du peuple, je vous dis, attention, il y a danger. Il y a un spectre donc, dans notre complot qui se plaint contre le Togo, d'autant plus que dans les conditions actuelles, et Alassane Ouattara et Paul Yacine sont dans le même bateau, sont dans la même logique, veulent toujours remplir à la tête de ce pays, et je ne vois pas un certain Jean-Claude Bourg donc aller à l'encontre de cette situation. Voilà, donc nous avons pris un certain nombre de clichés, un certain nombre de paramètres ce matin, pour montrer qu'en réalité, cet homme-là qui est à la tête de cette commission, qui a conduit la délégation, qui a rencontré la coalition le samedi dernier, je vous dis, attention, il y a danger. D'accord, très bien. Écoutez, on lira votre inquiétude, on va le dire, hein, à la page 3 du journal, donc la manchette. Et puis, cet entretien exclusif avec Mme Adjamangbo Johnson qui dit, là je vais citer, « Je ne crois pas que les autres présidents élus proprement prendront le risque de rallumer un brésier dans la sous-région en permettant un quatrième mandat à Faure Gnassingbé. » Ah oui, et en fait, c'est un entretien exclusif hein, que Mme Béchikassi Adjamangbo nous a accordé. Donc, elle est revenue sur la crise togolaise et notamment sur le quatrième mandat de Faure Gnassingbé dont je vous sous peu. Donc, elle disait que en fait, les présidents qui ont été élus démocratiquement dans leur pays ne plus jamais permettre à M. Faure Gnassingbé de briguer un autre mandat. Et que ce faisant, ce serait encore un autre brasier qui va ouvrir donc, au niveau donc, de la sous-région. Elle est revenue encore sur d'autres sujets, notamment elle fait partie donc, de la délégation qui avait rencontré le président Obasanjo, l'ancien président du Nigeria. Alors, qu'est-ce qu'ils se sont dit? Ils ont rencontré également d'autres personnalités influentes donc, de la sous-région. Et qu'est-ce que ces personnalités donc, ont conseillé à l'opposition togolaise ensuite concernant la gestion de la crise? Je crois que Madame Adjamangbo, donc, est revenue sur un certain nombre de sujets et nous invitons nos lecteurs ce matin à découvrir cela. Bien sûr, on lira l'article à la page 4 de votre journal. Depuis la mission CDAO au Togo, vous en parlez. Le CAR qui revient sur les dessous du nouveau format du dialogue. Hein. Vous en parlez ce matin, Sylvestre. Ah oui. Donc, le président national du CAR, M. Yavi Agrivo, est revenu hein, sur les dessous donc, de cette mission. Et vous savez, aujourd'hui, et on a l'impression que la CDAO tente donc de récupérer donc la crise togolaise, de discuter avec les protagonistes et donc de proposer une voie de sortie de crise ou de proposer une sortie de crise. Et généralement, lorsque ce genre de situation se présente ainsi, hein, on l'a vu récemment avec le cas de la Guinée-Bissau, la CDAO peut quand même prendre une décision qui serait peut-être contraignante pour les deux parties. Donc, c'est en fait, si on comprend bien l'inquiétude donc, du président du CAR, qui aurait souhaité que, comme on fait en 2006, il faudrait que les acteurs eux-mêmes discutent entre eux et recourir à une facilitation donc, de la CDAO. Mais à la manière dont les choses se précisent aujourd'hui, avec la délégation donc, de la commission de la CDAO qui était à Lomé la dernière fois, et puis cette délégation disait justement qu'ils veulent écouter les acteurs, afin donc de proposer une feuille de route faite au chef de l'État. Donc là, on comprend en fait que la CDAO donc, prend en main M. Togolais, l'inquiétude donc, du président d'État, qui aussi, dans la foulée, a adressé une coalition afin que
qu'on puisse revoir hein, le format donc du dialogue. Mais bon, malheureusement, la lettre n'a pas passé. D'autant plus que vous savez, au sein de la coalition, c'est la position démocratique qui s'adresse le consensus. Donc, ça n'a pas marché. Mais ce matin, oui. nous préférons donc publier cette lettre-là dans son intégralité, dans notre colonne, pour que tout le monde puisse voir la proposition du CAC et la proposition que le CAC a faite donc, à la coalition. Et l'inquiétude du cas en ce qui concerne donc la position de la FEDEA, parce que le cas se demande pourquoi on ne doit pas s'inspirer donc des premiers échecs du dialogue et puis on doit ouvrir encore un autre format. Je crois que c'est un aspect que nous invitons nos lecteurs ce matin à parcourir à découvrir dans notre colonne. Bien sûr, on lira l'article donc dans votre journal La Manchette dans les kiosques donc ce mercredi. Merci beaucoup Sylvestre Béni. Oui, merci Eric, et puis bonne émission à toi. Allez, merci et bonne journée à vous. Oui, merci beaucoup mon frère. Car de tout cœur, nous tenons à vous informer. Taxi FM. Il y a le journal Le Libéral qui est aussi dans le kiosque ce matin. Le confrère évoque la crise politique togolaise. La solution CDAO très imminente renseigne donc le journal. Vous lirez l'article à la page 3. Et d'ailleurs, l'éditorial du confrère prend en compte un petit peu ce sujet, la feuille de route de la CDAO. Amélioration du climat des affaires, le permis de construire désormais à moindre coût, renseigne notre confrère. Le journal qui parle également de Fort Nyasimbe à la tête de la CDAO. Quel bilan après un an d'exercice? On lira l'article et puis les manifestations de 6, 7 et 9 juin. Les leaders de la coalition très peu enthousiastes, hormis le PNP. Vous lirez l'article dans le bi-hebdomadaire Le Libéral. Nous avons l'hebdomadaire Le Dialogue qui est aussi dans le kiosque ce matin. Le Dialogue parle des manifestations politiques du G14 les 6, 7 et 9 juin prochains. Le gouvernement ne s'y oppose pas mais reste intransigeant sur les itinéraires. Vous lirez l'article donc dans le journal. 22e édition du concours national de récitation du Saint-Coran. Le parrain général Titi Kouina reçoit une distinction honorifique. Vous lirez l'article donc dans le journal. Et puis, rencontre entre la CDAO et les acteurs politiques au Togo. Le ministre Bawara explique les enjeux de la nouvelle feuille de route de la CDAO. Vous lirez l'article donc dans le journal Le Dialogue. Notre deuxième coup de téléphone, c'est à la rédaction du journal Fraternité. Et nous avons au téléphone Joël Ega. Joël, bonjour. Bonjour mon frère. Merci de nous avoir rejoint Joël et ce matin vous parlez de la politique aussi avec Unir et la crise de l'alternance au pouvoir. Que devient Christophe Tchao? C'est votre interrogation ce matin Joël. Effectivement mon frère, nous nous interrogeons, Tchao il a disparu des écrans. On se rappelle c'est le pote flambeau de la thèse si le Togo brûle, on brûlera tous. Oui. Le Christophe Tchao qui a décliné la question de l'alternance en termes de d'hécatombe pour le Togo. Pour lui, l'alternance, ça arrive avec l'hécatombe. Et voilà, c'est le monsieur qui a occupé les écrans depuis août 2017. Il était presque même pas que Gilbert Barra, mais depuis le recadrage consécutif dont le pouvoir de Lomé a été objet entre octobre et novembre, qui a abouti à l'ouverture du dialogue intertogolais. Christophe Tchao n'est plus sur les plateaux, on ne le porte juste pas. On se demande qu'est-ce qui lui est arrivé. Des sources rapportent que c'est peut-être le début d'une mise au garage, mais on continue de chercher, d'arriver tous les éléments afin de savoir si c'est vraiment un début de mise à la retraite. Mais est-il qu'au sein du Parti Unir, il y a une révision de la conduite à tenir? Et donc, on a changé assez d'acteurs qui avaient occupé hier le premier rôle dans la gestion de la crise au sein du Parti de Petit Point. D'accord, très bien. Écoutez, on lira l'article dans votre journal à la page 5.
Et puis par rapport donc toujours à la question de l'alternance, hein, vous parlez d'inculpation de deux jeunes activistes pour avoir appelé à un troisième mandat au Niger. C'est un message géopolitique de Issifou pour Lomé, Joël. Effectivement, mon frère, cette décision, en fait, le traitement que le président Issifou a réservé à ces jeunes qui l'ont réclamé un troisième mandat, nous estimons que c'est un message géopolitique, en ce sens que, Eric, nous avons toujours expliqué lors de nos différentes interventions sur votre radio que la question de l'alternance est devenue un critère de convergence pour la mise en place de la monnaie unique dans l'espace CDAO. Et quand vous voyez un certain Mahamadou Issoufou jusqu'à la preuve du contraire, jusqu'à aujourd'hui, il est le bras opérateur français dans la sous-région, depuis que Compaoré a été dégommé du pouvoir. Alors, si Issoufou décide de donner, de réserver ce traitement à cette sorte de ce jeune-là, il faut comprendre que c'est un message puissant, c'est un message indirectement adressé au pouvoir de l'ONU. Et donc, nous estimons que c'est un élément à prendre en compte dans l'attente des recommandations que la CDAO va émettre bientôt à l'endroit des différents acteurs de la, des différents protagonistes dans la prise de Togolaise. Et donc, on estime que quand vous prenez également Mahamadou Issoufou, qui est aujourd'hui, quand nous parlons des critères de convergence de la monnaie unique, il est presque le président de la task force qui préside à la mise en place de cette monnaie-là. Il faut comprendre que ce n'est pas rien quand on tape sur le doigt des jeunes qui réclament le troisième mandat. Je crois que les conseillers du pouvoir togolais doivent bien dénoter ce message-là et appuyer tout le sens que cela porte. D'accord, très bien. Bah, écoutez, on a compris. Et puis vous parlez également de la sécurité routière ce matin. Le coût du permis deux roues ramené de 10 000 à 5 000 francs avec formation gratuite à des motocyclistes, hein, Joël. Effectivement, tout a été déclenché avec un décret datant du 17 mai dernier où le ministère des Transports a décidé de revoir à la baisse le coût du permis de conduire qui était hier à 10 500, maintenant c'est revenu, c'est ramené à 5 500, les 500 c'est les taxes. Et quand nous sommes allés aux informations, il nous a été confié que c'est pour encourager l'affluence des motocyclistes deux ou trois roues pour passer ce permis parce que selon les chiffres, 76% les motocyclistes, les engins à deux trois roues représentent 76% des engins immatriculés. Et pendant que quand vous prenez les statistiques sur l'examen du permis, il ne représente que 2%. Et implicitement, quand vous allez sur les accidents causés dans la circulation, ils emportent également les plus gros pourcentages. À peu près 80%, les cas d'accidents sont dus à la méconnaissance des règles de la circulation et donc dus à ces motocyclistes. Donc, pour pallier le problème, la direction des transports routiers avec son ministère a décidé de revoir à la baisse le prix d'accès, les droits d'accès au permis, mais également les formations gratuites sont organisées à l'endroit d'une place de taxi moto dans Lomé jusqu'à l'intérieur du pays. Parfait. 2500 nous attendus seront formés et à eux également, mais à eux maintenant d'aller former les autres afin que
on réduise un peu les cas d'accidents liés aux motocyclistes sur la route du Togo. Oui, on espère que cela aura un impact réel. Enfin. Professeur, vous avez plus dire cela. Ben, on comprend et on lira l'article à la page de votre journal. Et puis, juste un mot, hein, Joël, les gars, sur le tournoi de Toulon. Vous nous apprenez ce matin qu'un épervier s'est échappé du nid, c'est ça? Effectivement. Le concitoyen, parce que Amico, un ami du FC, de Thiégier, a fait trouver nécessaire de revenir au pays. Il a fait trouver nécessaire de venir partager les difficultés que nous connaissons tous dans la prévision togolaise. Il a pris une autre route. C'est un regret parce que ça ne fait pas de bonne publicité à l'équipe nationale espoir. Mais également, ce n'est pas un fait anodin dans le football. Lors de cette compétition internationale de la part des joueurs africains. Jusqu'à ce jour, on n'a pas encore trouvé les traces du jeune joueur. Et il ressort que les autorités françaises ont été saisies aussitôt par le staff. On espère qu'il y aura une réponse concrète à ce qu'est devenu Pascal Amepo Nani. D'accord, très bien. Écoutez, on a compris, on lira le reste dans votre journal. Merci beaucoup, Joël, les gars. Merci, mon frère. Bonne journée à toi. Bonne journée à vous également. À bientôt. Taxi FM. Le monde en une radio. Il y a le quotidien Forum de la semaine qui est aussi dans les kiosques ce matin. Le confrère revient sur le drame au grand marché de Lomé après la prise en charge des blessés, l'identification des causes. Vous lirez l'article dans le journal. Manifestation publique des 6, 7 et 9 juin de la C14. De quelle couleur seront les rues de Lomé à partir d'aujourd'hui? C'est l'interrogation du confrère. Vous lirez l'article à la page 4. Processus de développement du commerce électronique au Togo, les travaux de consultation nationale pour l'évaluation de l'état de préparation officiellement lancé. L'article est à lire dans le journal Le Quotidien Forum de la semaine. Il y a également l'hebdomadaire La Dépêche qui parle de beaucoup de choses, notamment la journée de l'arbre. Il faut passer du symbolique à la réalité. Et puis face à l'inertie des acteurs, la CDAO prend le dossier togolais en main, écrit le journal. La C14 maintient ses manifestations. Vous lirez l'article dans le journal. Et puis un autre sujet lié donc à la biologie, pour cultiver le biologique, je vais dire, il faut assurer l'international. Vous lirez l'article dans le journal La Dépêche ce matin. 93.1 Taxi FM. Il est 7h presque 35 minutes dans tous nos studios ici à Gbalepe Dogan. Merci d'écouter Radio Taxi FM Lomé. Notre troisième rédaction en ce matin, c'est la rédaction du site Togo Media 24.com avec l'administrateur principal Aubin Koutélé. Aubin, bonjour. Bonjour, grand citoyen Eric, et salut à tous les auditeurs. Merci de nous avoir rejoints, mon cher grand citoyen d'État. Ce matin, vous aussi, vous parlez politique avec la coalition qui maintient ses marches, hein, gaz lacrymogène et course poursuite en vue, Aubin, c'est ça? Oui, c'est ce que nous prédisons. Vous savez que la coalition des 14 partis politiques de l'opposition manifeste depuis août 2017 pour réclamer le retour à la Constitution dans sa version originale de 1992, les réformes constitutionnelles, la révision du cadre électoral, la libération des manifestants arrêtés lors des manifestations passées. Alors, la semaine dernière, la coalition des 14 partis politiques avait envoyé un courrier au ministre de l'administration territoriale, M. Essol Ababoukessi, pour l'informer de la marche à venir dans les semaines et dans les jours à venir. Cette marche qui commence normalement demain, aujourd'hui, normalement le ministre n'avait pas interdit cette manifestation, mais a plutôt proposé des nouveaux itinéraires à la coalition. La coalition, hier en conférence de presse, n'a tant pas cédé face à ce type de
du ministre de l'administration territoriale. Pour la coalition, il s'agit là de la stigmatisation de la population togolaise et de la violation de ses droits. Ils n'entendent pas céder à cette nouvelle proposition du ministre. Vous savez que dans les mois, dans les jours ou bien dans les semaines qui ont précédé un autre échange de courriel avec le ministre et entre le ministre et la coalition, et vous savez que ça s'est terminé par des courses pour le sujet des gaz de la fourgène parce que le ministre de l'administration territoriale n'avait pas autorisé que les marches puissent finir sur les anciens itinéraires parce que il y a eu certains riverains qui ont quand même porté plainte parce que ces marches les ont causé des dommages. D'accord, très bien. Écoutez, on lira l'article sur votre site. Et puis, on en parlait tout à l'heure avec Joël Ega, lié donc au Festival de Toulon. Pascal Amekpo est introuvable. Le Team Media Office a d'ailleurs expliqué sur le sujet. Oui, il s'agit de l'international togolais U21. Pascal Amekpo, il est joueur de espoir de Dijon. Ils étaient en France dans le cadre du tournoi international de Toulon, où ils étaient 23 joueurs. Ils étaient d'abord 23 joueurs à se rendre en France pour préparer cette compétition. Alors, depuis hier, nous apprenons que le joueur est porté disparu. Comment ça s'est passé? On a fait quelques recoupements et il s'est agi que, selon le Team Media Official que nous avons contacté, il s'agit de 23 joueurs qui étaient quand même retenus pour la préparation du 16 au 24 mai. Et le 23 mai, la liste de 20 joueurs a été retenue conformément au règlement de la compétition. Donc, en plus de ces 20 joueurs retenus, il y avait quand même le gardien Adjima Bernard qui a été retenu comme suppléant en cas de blessure d'un autre gardien. Donc, les deux autres joueurs qui étaient libérés, il s'agissait d'un joueur évoluant en France et bien sûr de notre Pascal Amekpo. Alors, Pascal Amekpo, selon le recoupement, avait demandé de rentrer au Togo pour pouvoir composer parce qu'il est étudiant en chimie à l'université de Lomé. Donc, il sait qu'après, peut-être c'est sur le chemin de retour au Togo, puisqu'il a été conduit à l'aéroport. C'est au moment de l'embarquement, après que c'est assez difficile de retrouver le joueur. Mmh. Donc, hier, nous avons contacté le Team Media Official qui nous informe que tous les joueurs venant du Togo ont reçu un visa d'un mois. Donc, il va falloir attendre la fin de la validité de leur visa pour pouvoir faire les recherches et voir comment communiquer par rapport à ce sujet. D'accord. Donc, il faut dire que, en attendant un dénouement de cette affaire, le Togo affronte demain, le 7 juin, le Japon dans le cadre pour le compte du match de classement de la 7e et à la 8e place. Très bien. On espère que cette affaire ne constituera pas un préjudice finalement pour d'autres jeunes joueurs qui sont en attente pour des essais en France et dans d'autres pays de l'espace Union européenne. Écoutez, merci beaucoup à Aubin Koutélé. Merci Saint-Éric, bonjour et bonne journée à tous les autres. Bonne journée à vous aussi, à bientôt, bonne journée. Merci. Taxi FM 93.1. Aussi dans les kiosques ce matin, le journal Le Triangle des Enjeux qui parle d'effondrement de l'immeuble Saint-David au Grand Marché de Lomé. De nouveaux décès, la propriétaire portée disparue. La vraie cause, c'est sur cela que le confrère revient ce matin. Vous lirez l'article à la page 4. En confidentiel, titre Le Triangle des Enjeux, Maître Kwande Adjaré pressenti prochain Premier ministre. Confidentiel que vous lirez donc dans le journal. Gouvernance désastreuse, fausse promesse, Forgna Singbe, l'énivré du pouvoir dans un Togo qui stagne et s'enlise, écrit à notre confrère qui nous renseigne que ça fait aujourd'hui 9 ans, 1 mois, 16 jours. Que Kwacha Nyasingbe est en détention. En tout cas, vous lirez cela dans le journal Le Triangle des Enjeux. Et notre quatrième rédaction ce matin, c'est le journal Harakiri avec Olivier Adia. Olivier, bonjour.
Bonjour, chers citoyens d'État, Eric Gatto, et bonjour à tous et à tous ceux qui sont à l'écoute. Très bien, merci de nous avoir rejoints en tout cas. Et votre grand dossier ce matin, ça concerne l'Office togolais des recettes, ce que l'affaire Wari et l'affaire d'appel d'offres informatiques nous apprend ou nous apprennent, ces deux affaires nous apprennent des réels problèmes de l'ETA. Qu'est-ce qu'on peut en savoir un peu plus aujourd'hui, Olivier? Chers bien citoyens d'État, vous savez, l'OTR, on compte beaucoup sur lui pour pouvoir remplir les caisses de l'État. Et les gens donc ont présenté cet office comme la structure qui allait faire la magie pour combattre les détournements de fonds, les magouilles et tout ce qu'on connaissait. Mais l'affaire Wari, et certainement que les populations ne connaissent pas encore ce que c'est. Et cette affaire vient mettre au grand jour que les habitudes n'ont pas réellement changé au sein de l'OTR. Et Wari, c'est une société donc, de transfert monétaire et qui est de droit sénégalais. Son directeur ou son président directeur fondateur s'appelle un certain monsieur Mbodj Kabilou, qui s'est installé au Togo ou a fait un transfert de siège à Lomé depuis 2015. Mais il se fait que cette opération, derrière cette opération, il y avait plutôt une intention donc, de fuir le fisc sénégalais. Seulement, le Sénégal a réagi et a demandé au Togo donc, de poursuivre et M. Kabilou Mbodj à Lomé ou au Togo plutôt, afin de prendre ou du moins de rentrer dans ce droit. Mais au sein même de l'OTR, nous avons découvert un réseau pratiquement qui, avec l'aide de qui Kabilou est en train de travailler pour pouvoir échapper au fisc sénégalais, mais non seulement au fisc sénégalais, mais au fisc togolais aussi, parce que ça fait 3 ans que M. Kabilou Mbodj et Wari sont installés au Togo, et ils n'ont jamais payé donc, les impôts. Et vous découvrirez les arguments que cette société avance pour échapper ou pour refuser de payer les impôts, aussi bien au Sénégal qu'au Togo. Les sommes sont très élevées. Donc, on parle de 3,8 milliards par-ci, de 190 milliards par-là. Mais ce qui est grave derrière, il y a des corruptions et des paiements de pots de vin ou bien des versements de pots de vin à certains cadres de l'OTR. C'est un grand dossier dans lequel nous avons donc des révélations terribles et que nous vous invitons à lire pour découvrir comment est-ce que à l'OTR on continue par faire des magouilles, par faire de la fraude, par aider les grands bandits, donc les grands opérateurs qui se donnent au grand banditisme à échapper. Il y a aussi derrière une affaire d'appel d'offres informatique. Vous savez, depuis l'installation ou la création de l'OTR, cet office n'a jamais eu un réseau informatique efficace, et ce qui fait traîner le travail et coûte aussi donc aux contribuables togolais. Mais il y a eu 2 appels d'offres, et derrière ces 2 appels d'offres, et un réseau est encore entré donc en œuvre pour pouvoir avoir des rétrocommissions et aider un opérateur économique à gagner le marché alors qu'il était le mieux disant. Voilà, entre autres, les questions ou les sujets que nous soulevons. D'accord. Dans notre grand dossier de ce jour. On lira cela dans le journal donc Ara Kiri, au chapitre politique maintenant. Olivier Adia, est-ce que aujourd'hui il y a des raisons qui empêchent la coalition de l'opposition d'aller de l'avant aujourd'hui? Oui, vous savez, la coalition de l'opposition a été mise en place au lendemain de la crise sociopolitique que le Togo a connue depuis le 19 août 2017.
Mais nous nous rendons compte que cette coalition a du mal à avancer, a du mal à faire les bons choix. Et 10 mois après, ou du moins bientôt 1 an, donc après, on n'a pas réellement de résultats à mettre à l'actif de cette coalition. Nous revenons sur ce constat dans cette analyse que nous faisons, où nous voyons qu'au sein de la coalition, il y a plutôt un conglomérat de partis politiques qui n'ont pas les mêmes idéologies, qui n'ont pas les mêmes approches, qui n'ont même pas les mêmes compréhensions, et les mêmes stratégies de la résolution du problème togolais. Si bien que lorsque certains suivent la question à gauche, d'autres préfèrent aller vers la droite, d'autres préfèrent rester au centre. Vous comprenez que dans ce cas, ça ne pourra jamais marcher et le résultat, ou du moins c'est le constat impactant, c'est que la coalition patine. Et voilà et quelques D'accord. éléments de cette analyse que nous vous proposons. Allez acheter à la TV dans les kiosques et découvrez ce dont il est question. Très bien. Alors, en confidentiel, ce matin, vous titrez sur la feuille de route. Olivier, est-ce que vous avez une idée de la feuille de route probable, je veux dire, de la CEDEAO pour le règlement définitif de la crise au Togo? Oui, nous avons des confidences, mon cher Jean-Fitoin Lessa, sur ce qui va se passer et dans quelques jours, lors du prochain sommet de la CEDEAO. Vous savez, le samedi 2 juin dernier, et la CEDEAO a semblé reprendre donc en main la question togolaise. Et elle attend donc imposer, ou du moins proposer aux Togolais une feuille de route pour la sortie de crise. Et qu'est-ce que cette feuille de route va contenir? Est-ce que l'organisation sous-régionale va demander aux autorités togolaises de plier bagages et de dégager sur le champ, ou est-ce que l'organisation sous-régionale va plutôt demander à Fonia Siwe de rester encore pour plusieurs mandats? Voilà l'équation et voilà la question que à laquelle plutôt nous répondons. Et nous avons pratiquement toutes les recommandations que l'organisation va faire à notre pays pour l'aider à sortir de la crise. Mais permettez que nous ne revenions pas en détail sur ces recommandations. Vos éditeurs et nos lecteurs ont tout le temps d'aller se procurer un numéro du journal pour aller lire et découvrir ce point. Je suis d'accord avec vous, Olivier. On achètera votre journal Harakiri et on aura une idée d'encore sur ce sujet, la feuille de route probable de la CEDEAO. Puis un fait divers, Olivier, bientôt un syndicat pour les prostituées de Lomé. Vous êtes sérieux? Oui, vous savez, personne ne se néglige maintenant dans le monde. Et ce n'est pas les prostituées qui vont se négliger. Les prostituées de Lomé, en l'occurrence, et pensent à mettre en place, si elles ne l'ont même pas déjà fait, c'est qu'elles pensent à mettre en place un syndicat. Le syndicat, c'est pour défendre leurs intérêts. Le syndicat, c'est pour les représenter valablement là où besoin sera. Donc, comment ça va se passer et les détails et les informations à découvrir dans cette parution du journal Harakiri. Harakiri dans les kiosques ce matin. Merci beaucoup, Olivier Adja. Merci, cher grand citoyen d'État. C'est un plaisir de te revenir dans cette émission si plaisante. Cette, une bonne journée. Allez, bonne journée à vous aussi. Oui, bye bye. Sur Taxi FM. L'info roule. Il y a aussi dans les kiosques ce mercredi le bimensuel Focus Info qui publie un dossier sur l'Université de Lomé. Le choix du label de qualité écrit ce matin. Le confrère Focus Info, vous lirez l'article, le dossier sur 3 pages, pages 8, 9 et 10. Politique sur la question du dialogue. La méthode du CAR, le journal l'évoque, à lire à la page 2.
L'invité spécial Renaud Dossavi, l'aimé Césaire Togolais, écrit notre confrère. Le journal qui parle également de l'économie avec le Togolais Sename Kofi, parmi les 10 acteurs de la tech continentale. Et puis, société Circoncision, les raisons de l'expansion d'un rite ancestral. Moi, j'ajouterais qu'il y a la peau dure. Écoutez, vous lirez l'article dans le journal Focus Info. Focus Info dans les caisses, donc ce matin. Il y a aussi le journal Dounia Le Monde, le confrère qui parle d'écroulement de 2 étages d'un immeuble au grand marché de Lomé. Problématique de la mauvaise construction des immeubles. Vous lirez l'article dans le journal. Pouvoir et opposition divisés sur les itinéraires des manifestations d'aujourd'hui. Du 7 et du 9 juin, vers 3 jours de tension, prédit le confrère Dounia Le Monde ce matin. Accrochage entre le PNP et l'ANC, la coalition de plus en plus divisée, croit savoir Dounia Le Monde, qui parle également de l'économie togolaise qui paie un lourd tribut par rapport donc à la crise sociopolitique. Vous lirez l'article dans le journal. Et puis OTR, le recensement fiscal se poursuit, écrit notre confrère. Et puis une note de sport avec Jen Dakonam, le profil d'un joueur qui intéresse les grands. Vous lirez l'article dans le journal Dounia Le Monde. Le journal de la bonne humeur avec Gérard Wessin, le patron donc, du journal SICA, je vais dire. Gérard, bonjour. Bonjour Eric. Merci de nous avoir rejoint, Gérard. C'est avec vous qu'on va clôturer donc, nos coups de fil là, en rédaction. Alors, cette question qu'on pourra peut-être lire dans votre journal, je vais vous la poser à l'antenne, Gérard. Pourquoi l'ambassadeur allemand a-t-il déclaré que le Togo devrait aller aux élections? Ben, je ne prétendrai pas avoir la réponse. D'accord. Mais je dis seulement que cette question-là suscite une autre question qui consiste à demander ce qu'est le rôle d'un ambassadeur dans un pays. C'est sur cela que nous nous trompons souvent. Et disons seulement que le rôle de l'ambassadeur dans un pays, c'est de défendre les intérêts de son pays sur le territoire sur lequel il officie. Alors, si les Togolais se posent cette question, je pense qu'ils pourront comprendre facilement le pourquoi l'ambassadeur allemand il a demandé d'aller aux élections. D'accord. Je dis, par exemple, si on posait la question à l'ambassadeur du Togo en Allemagne, s'il faut donner 100 milliards de dollars au Togo, qu'est-ce qu'il va dire? Même si ça nuit aux Allemands, même si ce n'est pas dans l'intérêt des Allemands, je pense qu'un ambassadeur français ne va pas dire « Non, ne donnez pas l'argent à mon pays parce que ce n'est pas bon pour vous ». C'est comme ça qu'il faut comprendre les choses. Il faut se poser la question de savoir sur quel est le rôle de l'ambassadeur. Et vous comprendrez le pourquoi l'ambassadeur allemand a fait facilement cette déclaration. Alors, il y a aussi une autre interrogation dans votre journal. Au Togo, faut-il une révolution ou une évolution finalement? Ben oui, c'est une autre grande question. Je pense que les hommes politiques togolais ont opté pour une révolution, même si ce n'est pas une révolution violente ou armée, c'est quand même une révolution, puisqu'on parle de formes à clos, il faut changer les choses en même temps et tout. Mais ce qu'il faut savoir aussi, c'est que pour faire une révolution, il faut forcément une évolution des idées, ce qu'on appelle une évolution des idées. Tant que les idées n'ont pas évolué, tant que les peuples n'ont pas mûri, tant qu'ils n'ont pas intégré certaines choses, une révolution demeure totalement impossible. Je n'en veux pour preuve que ce qui se passe actuellement à Dankem, quand le peuple est divisé, et quand le peuple est divisé en son sein, comment vous voulez qu'il y ait une révolution? Puisqu'une révolution, c'est un mouvement d'ensemble vers la réalisation d'une idée. Mais quand les gens sont divisés entre eux, comment est-ce qu'ils peuvent réaliser un mouvement d'ensemble? C'est un parfait non-sens. Non, c'est juste pour expliquer que une révolution, ça se prépare. Une révolution, on prépare les idées pour un changement. Et voilà, c'est une analyse que nous avons faite et nous voudrons que les lecteurs eux-mêmes lisent et se fassent leur idée. Parce que nous ne dicterons pas la vérité, ce n'était qu'une analyse et je suis sûr que nous en aurons les échos à travers le SMS. Forcément. Et c'est pour cela que, Gérard, la liberté de manifester des Togolais devient de plus en plus réduite. Ben oui, c'est un fait. C'est un fait que la liberté de manifester, la liberté de s'exprimer, cette espèce-là devient de plus en plus réduite. Mais quelles en seront les conséquences?
Ben, c'est une interrogation. Prenez un gaz que vous comprimez toujours plus, que vous comprimez toujours plus. Ben, imaginez dans un ballon, hein, imaginez ce qui peut arriver. C'est un peu ça. Une chose de réduire l'espace d'expression des peuples, mais autre chose est aussi d'en assumer les conséquences à moyen et à long terme, parfois même à court terme. Et d'ailleurs, il y a ce sujet-là que vous avez pris en compte dans la une de votre journal Affaires de marche au Togo. Là, c'est devenu dangereux, l'eau. Enfin, alors, comme Sika, c'est beaucoup de détente, Gérard, comment est-ce qu'il faut amener la femme à atteindre l'orgasme aujourd'hui? Oui, ben oui, c'est ça. Et souvent, les hommes commettent cette erreur-là de dire que ben voilà, j'ai pris la femme-là, j'ai fait ceci, j'ai fait ça. C'est-à-dire que beaucoup de gens réduisent l'acte sexuel à la force, à une démonstration de force. Ben, c'est sur cela que nous sommes revenus pour quand même expliquer certaines choses, d'accord, pour que les femmes ne soient pas frustrées. Vous savez, ce qui amène la discorde dans les couples en général, c'est la mauvaise éducation sexuelle. Ce qui fait que les gens changent aussi très facilement de partenaires. Vous voyez, chez les Européens, dans certains pays où la parole est libérée, on parle beaucoup de sexe. Un enfant de 13 ans, 12 ans, 14 ans vous parle de sexe. Et à la fin, vous les voyez au mariage, vous voyez, vous dites qu'ils ont totalisé peut-être 4 copines, 5 copines, alors que nous ici, c'est dans la cinquantaine. Juste parce qu'on est insatisfait. C'est des choses qu'il faut quand même, des astuces qu'il faut connaître, mais pour être satisfait au sein de son couple. Ben, très bien, on lira tout cela dans votre journal, le journal de la bonne humeur, le journal Sika. Merci beaucoup, Gérard Wisson. Ben, bonne émission et je salue tous ceux qui sont à bord de votre taxi. Très bien, ben, écoutez, on vous salue aussi, passez une excellente journée. Je serai moi-même à bord de ce taxi. Ben, avec plaisir, Gérard. À bientôt, bonjour. Au revoir. Taxi FM, toujours premier sur l'info. Et voilà, on a fait le tour complet des rédactions qu'on a prévues, 5 au total, Sika, Fraternité, Rakiri, Togo Media24.com et La Manchette. Alors, dans les kiosques ce mercredi, pas mal de journaux quand même, hein, vous avez le journal de la bonne humeur, bien sûr, le journal de Sika, il y a La Dépêche également, le quotidien Forum de la semaine, le quotidien Liberté, le quotidien Togo Matin, vous avez le billet hebdomadaire Le Libéral. Il y a l'hebdomadaire Dounia Le Monde, le bimensuel Focus Info. Vous avez Fraternité qui est aussi dans les kiosques ce matin, La Manchette. On parlait là du journal Le Dialogue qui est aussi dans les kiosques. Il y a Le Messager que j'allais oublier, Le Messager qui parle de la crise politique au Togo. On comprend mieux les mobiles du refus d'Akufo-Addo de revoir la C14 à Accra. Prochain sommet de la CEDEAO désormais. Seul espoir, c'est une interrogation du confrère. Le confrère qui revient également sur les manifestations d'aujourd'hui, de demain et de samedi. Le gouvernement reste ferme sur les itinéraires à emprunter. L'État affirme désormais son autorité pour permettre à chacun de jouer ou de jouir de ses droits. Vous lirez l'article dans le journal Le Messager. Il y a aussi le journal Le Triangle des enjeux qui est aussi dans les kiosques. Vous avez également l'occasion de jeter un coup d'œil sur le site togomedia24.com. Nous marquons une pause. 93.1 Taxi FM. Et nous retrouvons notre cher professeur. Il est 8h, presque 5 minutes dans tous nos studios. Taxi Media Show, la clause Molière, c'est la chronique du professeur Sire. Et le professeur qui nous attend depuis quelques moments au téléphone. Professeur, bonjour. Bonjour chers grands citoyens d'État, bonjour à tous les grands citoyens d'État qui nous écoutent. Merci de nous avoir, jeune professeur, nous vous écoutons maintenant. Alors, puisque nous entrons dans la période des révisions, puisque oui, bientôt sera la fin de l'aventure, puisqu'on ne peut pas faire au-delà de mandat. Alors, cette phrase qui est revenue hier dans les réseaux sociaux, le focus de ces marches, c'est d'ébranler la dictature. Bon, le mot focus, j'en ai déjà parlé évidemment, qui est un mot emprunté à l'anglais et qui exprime l'idée de concentration, n'est-ce pas, de focalisation ou de convergence vers un élément central, ne comble absolument en français aucun vide sémantique, puisque le français dispose des mots comme intérêt, objectif, objet, concentration,
n'est-ce pas, focalisation, convergence, etc. Des tours tels que des axes privilégiés, un point de mire et un élément central, etc., pour désigner, exprimer cette idée, et donc il est tout à fait inutile et même fautif d'avoir recours au mot focus ou focusing, n'est-ce pas? Pour ce faire, on dira en bon français ceci. L'objectif de ces marches, c'est d'ébranler la dictature. Alors, je reviens aussi dans cette période de révision sur la locution par le biais de, qui revient très très souvent, n'est-ce pas? Cette locution par le biais de, elle devient inappropriée, c'est-à-dire d'un emploi fautif, lorsqu'elle l'évoque. Elle n'évoque pas un moyen détourné. Quand on utilise la locution par le biais de, l'idée d'un moyen détourné est pas forcément malhonnête, bien sûr, mais est toujours présente. Cette idée de ruse, d'habileté, voire hypocrite, un moyen qui n'est pas traditionnel ou ingénieux. Donc, si elle n'est pas employée dans ce sens, il s'agit d'un emploi fautif et doit être remplacé, selon le contexte, par des tours comme « à l'aide de », par l'intermédiaire de, au moyen de, grâce à, etc. Et puis, je voudrais aussi revenir sur ce verbe qui est, ma foi, très utilisé, hein, le verbe « générer ». Bon, j'en ai parlé à plusieurs reprises. Ce verbe, qui est un vieux verbe, hein, qui est apparu, si mes souvenirs sont exacts, au XIIe siècle, avec le sens de régénérer quelqu'un par la vertu du baptême, n'est-ce pas? Et remplaçait une ancienne forme, le verbe « gendrer ». Hein, bon, quatre siècles plus tard, « générer » revient avec le sens de « engendrer »,« produire ». Mais ces derniers termes le supplantent dans l'usage. Et le verbe « générer » disparaît de nouveau pour réapparaître plus tard, n'est-ce pas, quatre siècles plus tard, n'est-ce pas, et c'est-à-dire au siècle dernier, avec cette fois dans le sens, dans le domaine des mathématiques et de la linguistique, où il est emprunté en anglais « to generate », n'est-ce pas. On peut ainsi dire qu'une droite se déplaçant selon un certain axe génère un cône, ou dans le domaine linguistique, qu'une langue avec ses règles bien définies génère un nombre infini de phrases. En dehors de ces deux domaines, comme on l'a si souvent dit, toute extension de ce verbe générer à d'autres domaines est à proscrire. N'est-ce pas ? On préférera des verbes comme engendrer, produire, causer, naître, faire, etc. Et puis, ce verbe qui, ma foi, est extrêmement présent dans le langage courant, qui est le verbe impacter. On l'a dit à plusieurs reprises, hein, c'est un verbe de mauvaise aloi, hein. Ce verbe est créé de toutes pièces, n'est-ce pas, pour désigner, dire que les choses ont des conséquences négatives sur quelque chose, n'est-ce pas. Seul le substantif impact, hein, qui désigne le choc d'un projectile contre un corps ou la trace, le trou qu'il laisse, est le mot français approprié. Le substantif impact, n'est-ce pas? Précision importante, on ne peut s'employer figurément, c'est-à-dire dans un sens figuré, que pour évoquer un effet d'une grande violence. Exemple, l'impact psychologique d'un attentat ou l'impact psychologique d'un événement violent, n'est-ce pas? On peut en faire un équivalent du mot, on ne saurait en faire un équivalent du mot conséquence. Et c'est par extension, donc abusive, qu'on emploie le terme impact en parlant d'une influence diffuse en général, n'est-ce pas? Bref, le verbe impacter est un verbe de mauvaise langue qu'il faut absolument proscrire. Ça marche. Alors maintenant, si j'ai le temps, de rajouter quelque chose, sinon oui. Je viens directement à la revue de presse. Non, allez-y. Monsieur le grand citoyen d'État. Allez-y, professeur. Bon, alors, vous savez, on parle souvent aussi échanger, le verbe échanger, n'est-ce pas? Très, très courant dans le sens de discuter. Nous devrons, par exemple, devrions avoir une voix pour échanger. Ce verbe commande toujours un complément d'objet direct. Il se construit toujours avec un complément d'objet direct. Ainsi, ne dit-on pas « on a échangé », mais on dit « on a échangé quelques propos »,« on a échangé des idées », etc. Hein? Il en va de même pour le substantif « échange »,
qui lui aussi se construit avec un peuplement d'objets directs qui désigne ce qui fait l'objet de l'échange. Ainsi, on dira en bon français un échange d'informations, de point de vue, d'opinion, n'est-ce pas ? Le nom échange employé au pluriel est alors accompagné d'un adjectif qualifiant, par exemple, les échanges fructueux, n'est-ce pas ? Ou d'un complément d'objet qui désigne, qui explicite les circonstances de l'échange. Par exemple, les échanges sur leur dissension de son se sont poursuivis tard dans la nuit. Alors maintenant, j'en viens à la revue de presse. Dans Togo Matin, dans l'article « Le code foncier voté, vive le code ». Le code foncier voté, vive le code. Et ceci, puisque c'est au cours d'un conseil de ministres datant seulement du mois de mars dernier que le projet de loi portant sur le code foncier, etc. Alors, pourquoi datant seulement ? Il faut dire tout simplement, plus correctement en bon français ceci, puisque c'est au cours d'un conseil des ministres du mois de mars dernier que le projet de loi, etc. Pas besoin de mettre là-bas datant seulement. D'abord, ça sonne très mal. Ensuite, dans le journal La Dépêche, la CEDEAO prend le dossier togolais en main. Bon, alors ce qui nous occupe ici, c'est que le substantif « main » ici est écrit au pluriel. Prendre en main, en général, « main » reste au singulier invariable, n'est-ce pas ? Ce qui n'a rien à voir avec prendre les choses en main propre, là où « main » prend un pluriel. Ici, il reste absolument au singulier. Voilà, c'est une faute très courante qu'il convient d'éclaircir aujourd'hui. Très bien, ben c'est compris, professeur, on fera plus attention prochainement. Allez, merci beaucoup pour votre disponibilité. Je vous en prie, bonne journée à tout le monde. Allez, bonne journée à vous aussi, professeur. Merci, que Dieu soit avec vous. Qu'il vous garde, à bientôt. À bientôt, au revoir. Au revoir. Taxi FM, la seule radio d'information continue. Oh là là, et on, malheureusement, derrière l'antenne, le calibrage n'était pas bon encore ce matin. On ne pourra plus donner la parole aux auditeurs. Demain, on se rattrapera forcément pour la libre antenne. Toutes nos excuses. On va devoir rendre l'antenne à Emmanuel à Fognagbé. Alors, merci donc à eux tous. Et ça nous permet de souhaiter un joyeux anniversaire au président de la République, son Excellence Faure et Sozimna Niasingbe, qui souffle une bougie de plus aujourd'hui. Mon cher président, joyeux anniversaire à vous. Et ce que nous, à Radio Taxi FM, on peut vous souhaiter ce matin, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Il demeure dans votre vie. Il est la lumière, il fait tout. Joyeux anniversaire à vous, mon cher président. 93.1 Taxi FM, premier sur l'actualité.